d'avoir une transmission non pas par impôt mais pas avec les chaînes, et les chaînes qui permettent justement et bien de changer le rapport de publication. C'est très très caractéristique de GL. On retrouve ce système là également ensuite, puisque c'est les mêmes constructeurs sur un internet. On va avoir l'occasion d'en parler. L'idée de génie de dire il faut absolument que Paris soit autonome. Donc là, on là. Il y a la police là depuis 1911, qui apparemment n'avait pas autonome. Yeah.
dans un contexte raisonnable, efficace et précis, eh bien, ma foi, on va pas gêner pour le faire. 10h45, on a toute la journée devant nous. Et c'est vrai qu'un petit café, pourquoi pas, histoire de se mettre en forme. Le reste de la journée, c'est malheureusement la durée du sport. Hein, c'est vrai que la moto, bah, c'est pas forcément toujours simple. Et donc, encore une fois, on prend gentiment soin de notre camarade. Et puis, je vais partir sereinement. Dès que l'on sera en mesure d'assurer la sécurité de l'entendu, de l'ensemble des autres qui vont puisqu'on va en profiter, puisqu'on a un petit peu de temps. Je suis devant une monoplace absolument extraordinaire, c'est l'Alta. Can you give us some details about this crazy car? Rook era. English racing car.
Ils ne veulent pas m'en dire plus. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un équipage allemand qui nous fait l'amitié d'être là sur chaque édition du VRM et qui vient avec une auto à écran incroyable. Alors les Altars, on va juste en parler un tout petit peu pour dire que c'est une auto qui est totalement unique, qui est une auto de grand prix, avec le fameux moteur ERA qui, lui, a été une icône du sport automobile britannique des années 30 et qui a permis aux Anglais d'être à toc. Et d'ailleurs, ces autos, elles sont toujours extrêmement prisées, tellement prisées par nos amis britanniques qu'ils ne les laissent pas passer le Channel. Elles restent toujours en Angleterre, sauf une qui est partie en Allemagne, cette fameuse Alta. Si vous êtes sur la prairie, n'hésitez pas à venir voir cette voiture. Je vous rappelle, elle porte le numéro 28. Elle a sa direction qui est complètement déportée. Ça, c'est un des caractéristiques de cette incroyable monoplace. C'est une auto qui marche du feu de Dieu. De l'automobile international. On vous revient 50 ans.
ce plateau. Douglas Mollet, qui fait l'amitié de notre présence et sa fameuse Montréal. Alors, tu n'oublieras pas de faire un close sur la distribution. Elle est où la distribution? La distribution, c'est juste comme ça. C'est ces parties-là qui vont s'agiter. Thank you.
Voilà.